Salut Monsieur. Ouais, voici Captain Fleur de l'essai plus connu sous le nom de champion MC. On se retrouve pour une nouvelle aventure sur Upcard saison 2. Une autre série Minecraft qui n'a pas pris le bord, mais était long avant de le faire. Est-ce que j'avais vu ça dans la dernière vidéo? Probablement que oui, mais que je me souviens plus. On se souvient que ça fait longtemps. Hein? La raison à laquelle que j'avais été ici, mais celle ici, c'est pour le slime. D'où je viens probablement de là-bas. Je suppose. Je suppose que je viens de là-bas, si je me trompe pas. Malheureusement, j'ai encore ces habitudes avec safety. Les réflexes de safety. Donc, peser sur X pour l'enlever. Mais quand c'est pas du tout ça qu'il faut faire. Ouais, ça c'est moi. Ok, c'est réflexe. J'avais sûrement noté les coordonnées dans ma dernière vidéo, mais vu que je n'ai pas regardé, vérifier qu'est-ce que s'est passé dans la dernière vidéo. Sachez que ça fait quand même pratiquement un an. Deux cent quarante-huit cents, on va dire. Il va falloir miner. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais couper des arbres. Il va falloir couper des arbres. Je pense qu'on a coupé quand même assez pour pouvoir commencer à construire un peu plus la maison. Et bon, commencer là. Faire de quoi? Tout simplement. Tout en replantant ces arbres. Il faut pas oublier que cette série, c'est une série dont, si je meurs, une série en Upcard dont, si je meurs, la partie, elle est terminée. Et on passe tout de suite à la saison 3. Dans ce cas-ci. Pour pas passer tout de suite changer de saison, faut que je survive. La dernière fois, j'ai survécu. Je suis même pas mort dans le Nether. Je suis mort bêtement par un creeper. Ouais, les fameux creeper. Il a des bâtons maintenant. Ah ouais. Sachez que je joue dans la nouvelle version, donc la 1.14.3, qui est la mise à jour des pour les villages. Dans ma dernière vidéo Minecraft, tout court Minecraft. Quand je parle de Minecraft, je parle de... Je suis nomade. J'ai arrêté dans un village. Et je vais vous avouer que je suis... J'étais fatigué tout ça, mais je suis comme... J'étais comme perdu aussi. D'ailleurs... Je suis fatigué encore, ben... Vous savez quand on a rien à dire. C'est à peu près ça.
Là, vu que j'ai pas. Bah, j'ai pas découvert de village trop. Encore. Mais vu que j'ai pas découvert de village, c'est tant mieux. Le village va avoir l'apparence. Ce sera comme la nouvelle mise à jour. C'est-à-dire que ces fleurs, on les retrouve uniquement là. Ici, dans les marais. Avec l'autre mise à jour précédente. On a eu un ajout de mobs. Allez, c'est une vision. Qui est fantôme. Je n'ai jamais rencontré et battu. Ça ne tombe pas pour l'instant. Mais après 3 jours de. Avoir dormi, c'est ça qui apparaît. Des fantômes. Commençons à agrandir la maison. C'est vrai, des escaliers seraient pas si pires. De toute façon, tout va être automatisé de toute façon. Pour commencer, il faut mettre les escaliers. Voilà. Un bon début. Et on va les faire. J'ai comme perdu l'épisode. Ah oui, c'est vrai, j'avais pensé que je voulais faire une grande maison sur les arbres. Au pire, ça serait une pièce, c'est pour un passage. Ça, je verrai pour là. Qui va prendre beaucoup de poids. Travail, puis là aussi la même affaire. Juste des petites pièces simples. Relier. Comme cela. Vous savez, une belle petite maison dans les arbres. Et cet arbre-là aussi que je veux construire. Mais là, pour me défendre, pour me protéger, je vais faire tout simplement ceci. Juste un bloc de moins. Comme ça, moi, je peux pas monter, puis les autres non plus. Et ça, il faudra que je m'arrange. Pour pas trop tomber. Ça, c'est juste pour l'instant. C'est pas permanent.
fonctionne juste plus. Il est où déjà? Il est de ce côté là. Un grand désert. Je pense que j'avais pas. Je sais pas si j'avais visité, mais je pense que ce qu'on va faire, on va le chercher. Serait pas par hasard un temple? Peut-être pas dans cette vidéo-là parce que la vidéo s'achève. Dans la prochaine vidéo, on va revenir. À moins que ce soit très limité. Un petit désert. Qui me semble pas petit. Non, c'est pas petit. Il y a sûrement un temple à quelque part. C'est sûr. Mais c'est fun, les textures ont toutes changé. Ça, c'est le fun. Ils sont plus beaux qu'avant. Je vais attendre la prochaine vidéo pour pouvoir vraiment aller dans le désert. Parce que ça va être tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Mais c'est peut-être courte. C'est pas grave. J'ai peut-être pas fait grand chose, mais j'essaie de me rappeler qu'est-ce que j'ai fait dans la dernière vidéo sans avoir regardé une vidéo en tant que telle. Puis en même temps, je sais pas si j'ai pensé à qu'est-ce que je suis en train de. J'ai pensé. Mais on va continuer là-dessus. Pour pouvoir faire notre maison. Disons, on va s'amuser. Ça se fait aussi que je décide de faire l'enfer en hors vidéo, ça c'est possible aussi. Mais si je fais hors vidéo, c'est plus pour la maison et rien d'autre. L'exploration, je vais la garder avec vous. Ah! Là, ça, je le reconnais d'un peu plus loin. Imaginez quand ça va être terminé. Ah, ça va être beau. Je vais essayer que ça soit le plus beau possible, par contre. Comment je vais procéder? Vous savez, moi, je suis pas le meilleur en construction. Mais je me débrouille quand même. On va essayer de faire des coups quand même corrects. Et en plus de cela, on va s'arranger, je vais même m'arranger. Avec de la restone. Contre les monstres là, sans faire. On va voir quand on va être rendu, ce que je vais être rendu là. Probablement, j'ai déjà visité un peu. Pas complètement, mais j'ai visité un peu sûrement. De toute façon, je vais sûrement probablement les regarder. Voir qu'est-ce que j'ai fait. Ici, j'ai tout qu'est-ce que. Le bûcher un peu, tout ça. Faudrait que je mène aussi. Ça, par contre, ça peut-être être en plus hors vidéo. Ah, pour ça! N'hésitez pas à vous abonner, vous pouvez toujours me suivre sur Facebook, Twitter ou encore aller visiter mon site internet dans les liens sur la bannière de ma chaîne YouTube. Vous pouvez toujours aussi aller sur mon serveur Discord. Donc tout le monde est bienvenu. Alors pour ça, je vous dis bonne journée, bonne soirée, on se retrouve pour une nouvelle aventure. Alors pour ça, je vous dis merci à tous.